Bonjour à toutes et à tous, amis, c'est Gaël de Toulon, j'espère que vous êtes en super forme pour ça, super. Les copains, on se retrouve sur un compte développeur, on va simplement tester la plupart des nouveautés qui arrivent sur Brawl Stars très prochainement, dans une qui me tient tout particulièrement à cœur, les gars, c'est simplement le nouveau Survivance. Elle me rend dingue parce que je l'ai testé en off, les gars, et je pense réellement, enfin vous me direz en commentaire votre avis, mais je pense réellement que c'est la fin du teaming en Survivance solo et duo, et ça les gars, s'il y a bien un truc qui fait plaisir, c'est bien ça. Parce que je vous explique un petit peu, alors certains ont vu le Brawl Talk, certains savent déjà, mais on va partir de l'idée que vous savez rien. En fin de compte, les dégâts que vous prenez, ben, ça ne remonte plus en fait, il n'y a plus la régène, en fait tout le temps on est en train de régène sur Brawl Stars, hein. Dès que vous prenez des dégâts, vous mettez l'air un buisson, les points de santé remontent, là ils ne remonteront plus, vous perdez 1000 points de santé en début de game, les points de santé ne remonteront plus, vous prendrez du coup des hot dogs qui vont spawn sur la map de temps en temps, un petit peu comme les boissons énergisantes, tout ça. Ou alors, quand vous tuez un mec, vous récupérez une régène qui vous redonne tous vos points de santé. Donc ça, on va se tester juste dans quelques secondes, parce que c'est, à mon avis, la nouveauté qui va me hyper. On va aussi voir les nouveaux skins, leurs coûts et tout. Et un truc important, du coup, c'est la fin des points stars. Ça aussi, pour ceux qui l'ont suivi ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, il y a les blings qui apparaissent. C'est quoi? C'est la nouvelle monnaie de Brawl Stars qui permettra d'acheter des skins limité à 7000, et le truc qui est complètement dingue, c'est que je vais sûrement être un des recordman, les gars, de blings, parce que je vais en avoir, du coup, j'ai 70 000, hein, vu que c'est 1 pour 10, en fait, hein, c'est-à-dire que moi, j'ai 700 000 points star, j'aurai, du coup, 70 000 blings, la capacité max, elle est à 7000, et là, vous dites, non, mais comment il peut en avoir 70 000? Bah, simplement, en fait, vous avez atteint la limite, vous devez d'abord dépenser les blings avant de pouvoir en récupérer, c'est-à-dire que moi, quand je vais en avoir 70 000, tant que je n'atteins pas 7000 ou moins, bah je ne pourrai plus en gagner. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ce sera perdu, en fait. Ce sera comme les points de pouvoir quand on a cassé limité à 4000. Quand on gagne après, bah ça se transforme en gold, etc. Donc, vous pourrez en stocker plus, mais vous ne pourrez plus en ajouter dessus. Je ne sais pas si on s'est bien compris, les gars. Mais bon, en tout cas, on va partir directement en survivant. Après, on se fait les skins, on se fait les nouveaux menus. Déjà, là, vous voyez la nouvelle image qui est quand même sympa. Je pense pas que ce soit la plus belle qu'on ait eue, mais elle est quand même stylée. Et du coup, oh, on a HBS qui est là. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu le délire, style lui. Attends, lui, on va essayer de lui mettre des dégâts. Vous allez voir que ses points de santé ne remonteront pas, du coup. Là, du coup, on l'a mis à 5100. Vas-y, on va voir un petit peu. Alors, viens un peu vers nous, frérot. Je sais pas trop où il est. Il est là. Alors, c'est vraiment dommage qu'on tape un mec qui se cache, parce que j'aurais bien aimé vous montrer que ses points de santé ne remontaient pas. C'est pas grave, on est tombé. On va le finir. De toute façon, il est à 2004, je crois. Ok, on lui a mis 4003, donc il est mort, hein, il avait 2004 logique, et du coup ça fait spawn un hot dog, un sandwich, qui redonne des points de santé. Forcément, j'ai tous mes points de santé, donc je ne peux pas le prendre, vous avez compris la logique. Par contre, je sais que j'ai un hot dog par là, donc ça c'est intéressant. Je vais me faire toucher là, je vais faire exprès, pour vous montrer que les... Alors je sais bien que vous avez compris, les gars, le système, ceux qui ont déjà compris, ils vont se dire, mais tonton, tu nous prends pour des débiles. Pas du tout, pas du tout, mais c'est juste que je veux bien qu'on soit d'accord, c'est-à-dire qu'en fait, le truc qu'on craignait le plus, voilà, là j'ai pris, je suis à 4336, et du coup ça ne bouge plus, tac, on va faire un kill là, ok, comme ça. Du coup, en fin de compte, qu'est-ce qu'on craignait, nous? C'était les mecs qui se mettaient au mid, les gars, et bah, qui teamaient tous ensemble. Là, du coup, ils ne pourront plus charger leur ulti, voilà, là j'ai repris tous mes points de santé, parce que tout simplement, s'ils chargent leurs ulti, ils ne récupéreront pas les points de santé avant d'avoir tué un mec. Donc en fait, c'est exceptionnel, c'est exceptionnellement intéressant, parce que du coup, moi, je pense qu'il faut qu'on s'attende à avoir encore une fois les 10 mecs au mid là, mais qu'est-ce qu'ils vont faire en fait? Qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont réussir à... les mecs, ils vont être au mid, et ils vont pas pouvoir charger les ultis l'un vers l'autre, le premier qui va mettre un petit coup à l'autre sans faire esprit, ben l'autre il va plus récupérer ses points de santé, il va se sentir menacé, donc ça va se trahir. À mon avis, les gars, il y a un truc intéressant, je pense que le teaming sur Brawl Stars, c'est fini, voilà, c'était mon avis du jour, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, je suis vraiment curieux de débattre avec vous sur ça, je sais que c'est un sujet qui tient à cœur à beaucoup de youtubeurs, donc j'ai hâte de voir un petit peu leur avis aussi. Autre chose, les copains, qu'on va simplement se regarder, c'est le catalogue pour utiliser les blings. On a parlé des blings, on va parler du catalogue de suite, comment ça se passe pour acheter. Parce que du coup, vous pourrez acheter tout sauf les skins légendaires et mythiques. Hein. Tous les autres, vous pourrez les acheter. N'hésitez pas juste avant ça, les gars, à exploser les pouces bleus sous cette vidéo. C'est parti. Voilà, le catalogue, c'est comme ça, les gars. En gros, vous tombez sur une espèce de, bah, de catalogue, hein, c'est logique. Et vous avez les brawlers là. Donc vous pouvez descendre pour aller voir tous les brawlers, ils y sont absolument tous, donc ça fait plaisir. Derrière, imaginons qu'on clique sur le Colt,
On a tous ces skins et du coup, voilà, vous pouvez l'essayer, vous pouvez les acheter ou pas. Forcément que si vous voulez le skin or, il faut d'abord acheter le skin argent massif. Mais du coup, tout est disponible dans cette boutique-là. Ça, c'est quand même stylé. Ça vous montre tous les émotes que vous avez, tout ce qui vous manque, etc. Bon, là, il s'avère qu'on a tout. Mais vous avez un petit peu compris l'idée. Voilà, je vous disais qu'il y avait aussi un truc intéressant. C'est simplement les catalogues de skins. Donc, bah, ça vous remet un petit peu les permis de brawler, les Brawn and Friends, rappelez-vous. Les super Kawaii, Kawaii, Biodome, etc. 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 les gars. Mais en tout cas, ça vous classe tous les skins, entre guillemets, par famille. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Parce que des fois, voilà, il y a des mecs qui vont vouloir. Bah, les mecs qui ont acheté tous les skins, qu'on pu réussir à tout débloquer, vont être assez fiers d'avoir un magasin de skins qui sera vraiment blindé. Donc ce sera dans cette forme-là. Je trouve que c'est plutôt intuitif, plutôt bien fait. Après, vous me direz vraiment, voilà, qu'est-ce que vous en pensez. Mais je trouve que c'est les skins de la Coupe Star et tout. C'est plutôt bien fait, les skins du PSG. Le PSG, ils ont carrément les skins. On en aura peut-être un autre, un de ces quatre, en tout cas. Donc, en tout cas, le catalogue se présente comme ça. Je pense que là, maintenant, c'est le moment où on va partir directement sur les skins et leurs prix. Parce que, voilà, c'est le moment. Allez, les gars, on part directement sur le Colt Chimpanzé qui sera disponible pour 149 gemmes. Donc c'est le skin que je peux vous faire gagner en ce moment sous cette vidéo les gars, profitez-en. Vous pouvez le gagner sous cette vidéo sur Instagram. Franchement, profitez sous la vidéo, j'ai bien envie de faire profiter YouTube de ce concours. Mais en tout cas, voilà, 149 gemmes ou 5000 blinks. Donc imaginez-vous, moi avec 70 000 blinks, je vais pouvoir acheter 14 skins de ce calibre. En fin de compte, c'est 5000 blinks est égal à 149 gemmes, en gros 10 euros. Donc c'est quand même assez intéressant, ceux qui ont accumulé pas mal de points star, ils vont se mettre pas mal. Et il y a la petite émote qui va avec. Voilà, elle est là, c'est stylé. On part directement sur le max Léopard, les gars, 79 gemmes ou 2750 blings. Et il y aura derrière un max Panthère qu'on pourra débloquer, mais il faudra déjà avoir le max Léopard. Vous pourrez débloquer le deuxième pour 29 gemmes de plus qu'on va aller se checker de suite. On est parti, donc l'émote, elle est là. Le max Panthère qui est là, voilà. Donc du coup, 29 gemmes de plus, franchement, celui-là est vraiment stylé. Hein. Celui-là est vraiment sympa. Donc le combo des deux, 79 gemmes plus 29, les gars. Et en blinks, 2750 le premier et 1000 celui-là. Je trouve ça assez correct. On part sur le Buster, Crocodile Buster. Le Crocodile Buster, il est là. Combien ça va coûter? Toujours pareil. 149 gemmes ou 5000 blinks. Donc, enfin, j'ai toujours pareil. Non, pas forcément. Il y en a 79 et 149. En tout cas, celui-là est assez sympa. Voilà, il est stylé avec son espèce de fusil en crocodile. C'est plutôt pas mal. L'émote qui est stylé aussi. On va aller directement dans les skins qui seront en thème légende de l'Olympe. Le tic les gars, ça je vais l'acheter direct. Je vais l'acheter direct. Tic, c'est quand même un brawler qui respire pas trop la puissance. Et là pour le coup, rien que le skin est démoniaque. Donc 200 gemmes. Pas moyen de les acheter en blinks, mais en tout cas, celui-là est vraiment sympa. Il y a forcément les modes qui va avec qui est sympa. Il y a aussi le skin de Nani, les gars, Nani Ares, qui est vraiment stylé. On part dessus. Il est là le petit Nani. Alors c'est vrai que c'est dommage, Nani on joue jamais, c'est dommage de lui faire des skins, on dirait un skin un peu Chevalier du Zodiac, hein, ceux qui ont connu à l'époque, les gars, je sais que vous connaissez, je sais qu'il y en a quelques-uns qui connaissent, mais en tout cas, c'est vraiment stylé. La petite émote qui va avec, c'est encore 200 gemmes, et il y a Brock aussi, Brock Zeus, on part dessus. Pareil, hein, le Brock, les gars, pooh, ça claque vraiment, vraiment, vraiment. Hein. Franchement, les gars, je peux pas tous vous les tester dans la vidéo, les skins, j'aimerais, mais ça va durer 1000 ans. Mais franchement, les gars, ce skin, il est vraiment incroyable aussi. Donc, c'était les trois skins de la légende de l'Olympe. Il y a aussi les skins de Jesse Chevalier Dragon et tout. On se fait vite fait un petit check dessus, histoire de voir un petit peu. Ils ont quand même bien, bien redessiné. Voilà, voilà, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, c'est plus la même Jessie, elle est vraiment classe, les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve vraiment mieux faite, on va pas tous les faire parce que ça prend 100 ans. On va partir sur la Elisa Lolita, qui sera disponible à 79 gemmes, on est parti. Voilà, la petite Elisa Lolita, 79 gemmes ou 2750 blinks, qu'en pensez-vous, chers amis? Elle est sympa, c'est pas non plus, alors ça c'est clair que si mes filles le voient, j'en achète deux, mais si elles le voient pas, je m'en sortirai plutôt pas mal, on économisera des sous, donc c'est plutôt stylé. L'émote également qui est pas mal, on va partir sur le Karl Gobelin, le petit Carlito, il est là, voilà, ce 29 gemmes celui-là, alors celui-là est vraiment pas cher, ou 1000 blinks, là pour le coup c'était pas cher, le Léon Sweet Chat, il est Léon Chat en fin de compte, 29 gemmes, 1000 blings, pardon, je m'y perds un petit peu, c'est pas mal, j'ai aussi une petite vidéo à vous mettre, des points stars en fin de saison, les gars, on se la met juste après, je vous la montre juste après, alors il y en a un que j'aime beaucoup par contre, c'est le Buzz Godzilla, on part dessus,
Il est là le petit Buzz Godzilla, pareil, hein, 29e, les gars, c'est des skins pas chers. Hein. C'est assez sympa. Celui-là, il nous fait penser au mode de week-end, rappelez-vous, là, quand on essaie de tabasser l'espèce de Godzilla, là, vous vous rappelez un petit peu de ça, là, le gros boss, là. Ça vous parle ou pas ce mode? On l'a déjà oublié, en vérité. Mais bon, ça me rappelle un petit peu ça. Et on finira par le Edgar Blackbird 29e, c'est parti. Le Edgar qui est là. Et du coup, c'est du 29e. Il y a du Billy Chewing-Gum aussi également à débloquer. On est encore sur du 29e. En vérité, la mise à jour, elle est stylée parce que ils nous vendent au début de la mise à jour, au début du Brawl Talk, en entendant que les skins font passer de 49 gemmes à 79. Donc on se dit quand même vraiment mauvaise nouvelle. Au final, on se rend compte que les trois quarts des skins dispo dans cette mise à jour vont coûter 29 gemmes. Donc en vérité, je trouve ça plutôt cool parce que bah, ça va permettre à pas mal de mecs de pouvoir les acheter. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là, à mon avis, c'est une bonne mise à jour. Alors je vais quand même vous mettre la petite animation en fin de saison quand les 20 brawlers les plus hauts au-dessus de 500 trophées vont être reset. Comment ça va se passer et combien ça va vous rapporter 2 points de points de pouvoir, 2 points star, pas du tout les gars, 2 blings. Je vous la mets, voilà, vous l'avez vu normalement. Donc ça va se passer comme ça en fin de compte, hein. Vous en aurez quand même pas beaucoup. C'est vrai que là, si vous vous demandez comment vous pouvoir récupérer, bah, c'est tout marqué, hein. Récupérer des blings dans le Pass Brawl et la Coupe Star avec la réinitialisation des trophées en améliorant vos brawlers. Ça va quand même pas monter super vite. Je pense qu'il faudra vraiment guetter les défis que vous aurez régulièrement. Parce qu'à mon avis, ce sera quand même un bon moyen de récupérer des blings. On va se faire une dernière game dans le mode survivant que je kiffe vraiment, les gars. On est parti. Allez, on est parti, les gars. Je pourrais y jouer toute la journée, les gars. Ça a beau être contre des bots sur un compte développeur, honnêtement, c'est stylé. Ce mode, je le sens vraiment, vraiment bien. Je vous jure, j'ai l'impression qu'on pourrait avoir le retour du survivant, quoi. Mais vraiment en mode compétitif. Alors, je suis peut-être un peu naïf, mais. Tu vois, lui, déjà, il régène plus. Tu sais que lui, déjà, il s'est fait couillonner, le pauvre. Et du coup, tant qu'il fera pas de kill, voilà. Alors, lui, il se prend des bons dégâts. Et il est dans la sauce. Alors, il aurait quand même pu tirer dessus. C'est vrai que Jin, c'est quand même un des brawlers qui peut toucher le plus facilement des mecs. Mais. Tu vois, là, lui, il a pris un sacré handicap. Il va plus régène en plus avant qu'il fasse un kill ou avant qu'il y ait un hot dog qui lui spot dessus. Ce qui a quand même pas l'air d'être le cas. Voilà. Alors, non, on lui a bien bien chargé l'ulti. Et du coup, on va le tuer. Voilà, ça c'est fait. On récupère un hot dog qui nous sert à rien, comme je l'ai dit tout à l'heure, vu qu'on a tous nos points de santé. Mais en tout cas, on sait qu'il est là, les gars. Si jamais il y a un coup dur, on sait qu'il est là. Là, on récupère la petite potion. Tac, tac, tac. Attends, le problème, tu vois, c'est que lui, voilà, il a pris le hot dog, les gars. Il a pris le hot dog et ça, c'est pas terrible. Ok. Wow, on mène la game. Mais c'est cool parce que là, alors c'est vrai que ça team pas, c'est contre des bots, on est d'accord. J'aurais adoré faire une game, une vraie game. Attends, attends. J'aurais adoré faire une vraie game que je puisse vous montrer que ça ne teamera plus, les gars. Ça, je serais tellement déçu de voir que quand la mise à jour va sortir 2 jours après, il y a tout le monde qui team, quoi. Je serais abattu, les gars. Vraiment, je serais abattu si jamais les mecs team encore, trouvent encore un moyen. En vérité, ils pourront, hein. Il suffit qu'ils se tirent pas dessus, ils pourront. Mais déjà, ils auront plus les ultis. Style, tous les El Costo qui teamaient au milieu en se chargeant les ultis et qui allaient tuer les mecs sur les côtés, ça, ce sera plus possible. Les El Costo au mid, ils auront plus d'ulti. Donc déjà, El Costo sans ulti, c'est une victime. Clairement, n'importe quel Poli, Korbac, Spike le déboîte. Donc voilà, c'était mon constat du jour, ma vidéo du jour. J'espère que ça vous aura plu. Je fais des gros bisous à tous. N'hésitez vraiment pas, les gars, à m'exploser le soutien sous cette vidéo. Ça fait plaisir. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez des skins, des blings, etc. Et de ce mode survivant qui peut faire parler avec le super hot dog, la régénération des PV passifs et désactivés, des hot dogs revigorants apparaissent sur la carte et tombent. Et tombe des ennemis vaincus, voilà. On l'a compris, j'espère que vous avez tout compris, que ça vous a plu, bisous à tous, ciao ciao!